Utilisons l'ordinateur. Un jour, ma mère m'a acheté un nouvel ordinateur. Mon père l'installe dans ma chambre, contente et gaie. Je m'assois devant l'écran pour découvrir cette machine. Mais malheureusement, l'ordinateur ne veut pas démarrer. Alors, j'appelle mon père en disant: Papa, l'ordinateur est en panne. Est-ce que vous pouvez le réparer? D'abord, il faut cliquer sur la souris, puis on démarre l'ordinateur. Ensuite, on écrit des mots pour former un texte. Enfin, on choisit une belle image parmi plusieurs et on la colle près de notre texte. Elle a écrit des mots en gras et en italique. La mère est fière d'elle. Une fois le texte écrit, Elle l'imprime sur papier. Elle est très contente de remettre son projet à sa maîtresse. Utilisons l'ordinateur. Un jour, ma mère m'a acheté un nouvel ordinateur. Mon père l'installe dans ma chambre, contente et gaie. Je m'assois devant l'écran pour découvrir cette machine. Mais malheureusement, l'ordinateur ne veut pas démarrer. Alors, j'appelle mon père en disant: Papa, l'ordinateur est en panne. Est-ce que vous pouvez le réparer? D'abord, il faut cliquer sur la souris, puis on démarre l'ordinateur. Ensuite, on écrit des mots pour former un texte. Enfin, on choisit une belle image parmi plusieurs et on la colle près de notre texte. Elle a écrit des mots en gras et en italique. La mère est fière d'elle. Une fois le texte écrit, Elle l'imprime sur papier. Elle est très contente de remettre son projet à sa maîtresse. Utilisons l'ordinateur. Un jour, ma mère m'a acheté un nouvel ordinateur. Mon père l'installe dans ma chambre, contente et gaie. Je m'assois devant l'écran pour découvrir cette machine. Mais malheureusement, l'ordinateur ne veut pas démarrer. Alors, j'appelle mon père en disant: Papa, l'ordinateur est en panne. Est-ce que vous pouvez le réparer? D'abord, il faut cliquer sur la souris, puis on démarre l'ordinateur. Ensuite, on écrit des mots pour former un texte. Enfin, on choisit une belle image parmi plusieurs et on la colle près de notre texte. Elle a écrit des mots en gras et en italique. La mère est fière d'elle. Une fois le texte écrit, Elle l'imprime sur papier. Elle est très contente de remettre son projet à sa maîtresse. Utilisons l'ordinateur. Un jour, ma mère m'a acheté un nouvel ordinateur. Mon père l'installe dans ma chambre, contente et gaie.
Je m'assois devant l'écran pour découvrir cette machine. Mais malheureusement, l'ordinateur ne veut pas démarrer. Alors, j'appelle mon père en disant: Papa, l'ordinateur est en panne. Est-ce que vous pouvez le réparer? D'abord, il faut cliquer sur la souris, puis on démarre l'ordinateur. Ensuite, on écrit des mots pour former un texte. Enfin, on choisit une belle image parmi plusieurs et on la colle près de notre texte. Ella écrit des mots en gras et en italique. La mère est fière d'elle. Une fois le texte écrit, Ella l'imprime sur papier. Ella est très contente de remettre son projet à sa maîtresse. Utilisons l'ordinateur. Un jour, ma mère m'a acheté un nouvel ordinateur. Mon père l'installe dans ma chambre, contente et gaie. Je m'assois devant l'écran pour découvrir cette machine. Mais malheureusement, l'ordinateur ne veut pas démarrer. Alors, j'appelle mon père en disant: Papa, l'ordinateur est en panne. Est-ce que vous pouvez le réparer? D'abord, il faut cliquer sur la souris, puis on démarre l'ordinateur. Ensuite, on écrit des mots pour former un texte. Enfin, on choisit une belle image parmi plusieurs et on la colle près de notre texte. Ella écrit des mots en gras et en italique. La mère est fière d'elle. Une fois le texte écrit, Ella l'imprime sur papier. Ella est très contente de remettre son projet à sa maîtresse. Utilisons l'ordinateur. Un jour, ma mère m'a acheté un nouvel ordinateur. Mon père l'installe dans ma chambre, contente et gaie. Je m'assois devant l'écran pour découvrir cette machine. Mais malheureusement, l'ordinateur ne veut pas démarrer. Alors, j'appelle mon père en disant: Papa, l'ordinateur est en panne. Est-ce que vous pouvez le réparer? D'abord, il faut cliquer sur la souris, puis on démarre l'ordinateur. Ensuite, on écrit des mots pour former un texte. Enfin, on choisit une belle image parmi plusieurs et on la colle près de notre texte. Ella écrit des mots en gras et en italique. La mère est fière d'elle. Une fois le texte écrit, Ella l'imprime sur papier. Ella est très contente de remettre son projet à sa maîtresse. Utilisons l'ordinateur. Un jour, ma mère m'a acheté un nouvel ordinateur. Mon père l'installe dans ma chambre, contente et gaie. Je m'assois devant l'écran pour découvrir cette machine. Mais malheureusement, l'ordinateur ne veut pas démarrer. Alors, j'appelle mon père en disant: Papa,
L'ordinateur est en panne. Est-ce que vous pouvez le réparer? D'abord, il faut cliquer sur la souris, puis on démarre l'ordinateur. Ensuite, on écrit des mots pour former un texte. Enfin, on choisit une belle image parmi plusieurs et on la colle près de notre texte. Ella écrit des mots en gras et en italique. La mère est fière d'elle. Une fois le texte écrit, Ella l'imprime sur papier. Ella est très contente de remettre son projet à sa maîtresse.